Rebonjour à tous, merci d'être de retour avec moi aujourd'hui. C'est notre deuxième session de travail de la journée, suite à la première session de travail ce matin et aussi au Pomodoro sur la chaîne de Paritaire sur Twitch qui vient tout juste de terminer. Et donc c'est ça, c'est notre deuxième session de travail sur le projet du 31 décembre 2020 à 13 h, qui est de diriger toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon les unes après les autres, sans arrêt. Et donc, ceci est un peu notre dernière session d'études officielle, dans le sens que je vais avoir terminé d'annoter ma partition après ce deuxième mouvement qui nous reste. Et par la suite, il va rester à préparer tout ce qui est écrit, tous les textes que je vais dire, préparer aussi les vidéos qui vont être présentées. Aussi pratiquer la gestuelle, bien évidemment, de qu'est-ce que je vais diriger. Et donc, c'est la fin d'une première grosse étape qui prend énormément de temps, mais qui, je l'espère, me sera utile un jour si je suis, entre autres, assistant chef dans un orchestre quelque part, où est-ce qu'ils vont pouvoir me dire, on fait telle symphonie de Brahms, et je vais faire, ben oui, je suis prêt. Et donc, aujourd'hui, on termine avec le deuxième mouvement du concerto de violon de Brahms. Et je vous mets à l'instant la partition à l'écran. Et donc, bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien. C'est une session courte d'études aujourd'hui, mais je suis très heureux de t'avoir avec moi. Donc, les crayons sont sortis. Comme j'avais déjà un peu expliqué, j'ai un code de couleur pour les crayons que j'utilise. Crayon orange que vous pouvez déjà voir. J'ai déjà séparé la partition en groupes de 2, 3 ou 4 mesures en général. Et par la suite, j'utilise le vert pour présenter dans la partition toutes les entrées des instruments et les choses que je veux montrer dans la musique. Donc, ça fait partie de mon fil conducteur comme chef d'orchestre. Ensuite, je vais utiliser les crayons plomb pour marquer le nombre des mesures, de ces groupes de mesures que j'ai mis entre orange. Je vais utiliser le rouge et le bleu pour les nuances importantes ou les nuances qui sont un peu particulières. Donc le bleu pour les nuances douces et le rouge pour les nuances fortes. Puis voilà, hein, j'essaie de garder mes partitions assez libres. Puisqu'il y a déjà beaucoup d'informations dans une partition quand même, hein. Et donc, j'essaie de ne pas écrire trop pour ne pas rendre la partition trop pleine. Voilà. Donc, le deuxième mouvement de ce concerto de violon, qui est un mouvement adagio, on a deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes en si bémol, deux bassons, deux cors en fa, le soliste violon. Et ensuite les cordes, violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. Je connais un peu déjà ce mouvement-là dans le sens que je sais que c'est un défi entre autres pour la ligne de basson qui est écrite très basse et très douce au niveau de la nuance et que c'est quelque chose de très dur aux instruments avec hanche, hautbois et basson de jouer très doux dans les registres bas. Et je sais aussi que c'est un grand solo de hautbois pour commencer ce mouvement-là. Ensuite, c'est un mouvement qui est assez simple avec cordes. Avec le violon, le violoniste solo. Et on arrive à la fin déjà avec une centaine de mesures. Donc, ça risque d'être assez court comme dernière vidéo d'étude, hein? Donc j'espère que vous allez bien et que vous terminez votre journée de travail avec moi aujourd'hui. On commence bien évidemment avec le basson, le cor. Je vais passer une fois sur la partition au complet, comme ça, de manière générale, et ensuite je vais refaire avec chacun des instruments par groupe pour savoir un peu plus précisément si j'ai oublié des choses. Donc on commence avec basson, cor et ensuite les vents, les bois en fait.
Ici, il y a la clarinette qui vient répondre au hautbois. Ici, le basson qui vient donner un peu d'énergie. Entrée de flûte. Corde. Et maintenant, contrebasse avec solo. Avec une réponse très rapide entre flûte et violoncelle. Donc, même avec un mouvement lent, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dès le début de l'entrée de violon, hein. Ici, c'est l'entrée de corps à cette fois. Clarinette. Suivi par flûte basson. Maintenant, on est rendu en arco, alors qu'on était en pids juste avant ici. Prochaine mesure, entrée de solo. Tout le monde a joué il n'y a pas longtemps et donc il n'y a pas vraiment personne à donner des grosses entrées importantes. Évidemment, ici, le retour du solo est important. Flûte et hautbois. Solo avec alto et violoncelle. Réponse de cello à l'entrée de solo ici. Entrée de contrebasse à la prochaine mesure. Et on arrive à la récapitulation.
Récapitulation. J'imagine qu'on va y aller avec bois ici. Ensuite, le thème est repris tout de suite par le solo violon et répondu par cor, flûte et violoncelle. Et ensuite, repris par le hautbois. Retour du solo. Et les cordes qui tombent maintenant en pizzicato. Ah! Le cor qui continue la ligne de violon ici, c'est intéressant quand même. Arrivée du hautbois. Cor au bois. Entrée des cordes ici. Ah, et on reprend l'intro. Basson, cor. Flûte, clarinette. Flûte, clarinette, drôle de marquage. Et cordes. Voilà pour la première lecture de ce mouvement-ci. Assez rapide, comme c'est un mouvement lent, il y a beaucoup moins de mesures, moins grosse orchestration. Maintenant, on s'attaque à violoncelle et contrebasse. J'ai toujours un intérêt quand il y a un mouvement dans la basse, donc. Oh, retour de la contrebasse ici avec le solo. Contrebasse ici déjà noté. Ah oui, j'ai pas écrit vraiment le moment où est-ce que eux ils viennent à la fin.
Parfait. Donc, terminé pour contrebasse, violoncelle. Maintenant, alto, violon 2, violon 1. Ça ici, c'est bon. Premier changement de note. Tim, poum, poum. Ici, une entrée de violon 1 qui est quand même intéressante. Violon 2 qui retourne. Zato qui rejoignent pour les deux dernières notes, c'est quand même drôle. Et terminé. Voilà. Pour alto, violon 2, violon 1. Violon solo, ici à l'entrée. Il y a des rythmes quand même complexes. Retour de solo ici. Tout est bon de ce côté-ci. Des rythmes complexes un peu, mais ça dépend vraiment du soliste si ça va être compliqué ou pas. Corps. Ça semble être une partie intéressante ici. Les entrées sont déjà écrites. Ah! Celle-ci était manquante.
Tout est bon de ce côté-là pour le corps. Il reste juste une lecture de basson clarinette et une dernière lecture de hautbois flûte. Je sais que c'est un gros début pour le basson. Donc je vais marquer ça ici. Clarinette basson faite. C'est bon. Rien à rajouter. Passons. Passons clarinette. Clarinette, basson. Et on arrive à la fin. Merci d'avoir été avec nous, Nicole, mais malheureusement, plus tard, je termine dans littéralement 2 minutes, donc je vais avoir terminé. Mais il y a d'autres vidéos possibles à voir sur ma chaîne, autant sur ma chaîne YouTube que sur ma page Facebook. Donc, on a dernière étape, hautbois et flûte. Gros solo de hautbois quand même. Même chose ici que les autres fois. Flûte qui n'avait pas joué pendant un bout de temps. Et voilà, terminé. Parfait. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette série d'études des partitions des symphonies de Brahms et du concerto de violon de Brahms. Ce fut un plaisir de pouvoir vous partager un peu ce que je fais durant mes semaines et je vous invite très fortement d'être avec moi à partir de 13h le 31 décembre où est-ce qu'on va diriger toutes ces symphonies-là ainsi que le concerto sans arrêt et ce sera un très beau défi. Donc j'espère à tous un beau mardi soir. À bientôt.